pote chez Paris Match. Foutez-moi la paix. Attends, il t'a trouvé une audition. Qu'est-ce que vous imaginez ? Oh, ok, d'accord. Vous savez, ce genre de soirée sont réservées qu'aux vrais couples. Marina est une escorte, seulement personne ne le savait. Et le slogan, c'est nos limites. Ça m'énerve, là, ta construite cousine. Ça faisait même pas un an qu'elle était avec son pigeon qui l'avait déjà demandé en mariage. Alors qu'il y en a certaines dont je tairai le nom, ça fait des années qu'elles attendent et rien. Oh, 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 joue pas à ce petit jeu-là avec moi, hein. C'est très bien que ça marche pas, parce que moi, je sais très bien que tu veux pas te marier. Et comment tu peux le savoir? Tu m'as jamais demandé. Non, ne change pas de sujet, s'il te plaît. Puis arrête d'appeler ma cousine la construite, parce que franchement, c'est lourd. Nos limites. Ah ouais, nos limites. T'es un petit malin, toi. J'aurais dû m'en douter. Allez, on envoie la formule 1, Tulon. Ça va comme ça? Ah, bah ça commence à prendre forme. Et qu'est-ce que vous faites? Bah là, j'abandonne mon chien. Trois fois, il est sorti du camp sans s'en apercevoir. Trois fois, ils l'ont tabassé. Dis-moi que je rêve, Marie, s'il te plaît, hein? Ok. Je rêve pas. La concierge? Je crois que c'est une grosse cochonne. Ah bon? Ça m'étonne pas. Je vous laisserai bien découvrir par vous-même. Excusez-la, elle a fait un mauvais rêve. Bon, attendez, je vous propose quelque chose. Je vous attache tout nu pendant une heure à un arbre. Tu vois ce que c'est que de se précipiter? Il faut faire attention. Et là, tu vois un mec en bécane, tac, tu nous mets un coup de kick, et tu montes sur la bécane, et là, en mode beau gosse, bam, tu vois, tu files. Allez, bam. Mais attends. C'est pas fini. Non, non, mais c'est bon. Myrtille, je t'aime. T'entends? Je t'aime comme un dingue depuis la première fois que je t'ai vu. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que je te connais à peine, mais je te le dis quand même. Je t'aime.